La vie d'un routier numéro 24, c'est maintenant. Allez, c'est parti! Eh bien bonjour à tous, ici c'est Nikosov pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vie d'un routier numéro 24. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir. Alors, retour aux sources aujourd'hui les amis, puisque ça va être... je vais revenir comme avant, donc ça veut dire... je parle évidemment du contenu que je faisais avant, parce que je trouve que en faisant de l'impro comme j'ai fait sans une petite fiche, eh ben, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus une excellente qualité, ce n'est pas une bonne qualité, je trouve. Alors, c'est pour ça, les amis, que j'ai décidé de revenir à l'ancien temps où ça marchait correctement. Donc, c'est-à-dire, je vais sélectionner par vidéo 5 commentaires, on va dire. Quand il y en a plus qui sont intéressants, il y en a plus. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai pris des commentaires de la vie d'un routier numéro 22. Vous avez été une petite douzaine à commenter. Ça m'a fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Et puis voilà, je tiens à tous vous remercier. Voilà, donc j'ai sélectionné des commentaires. Plusieurs commentaires que je vais dire tout au long de cette vidéo. Et puis voilà, alors on va se situer parce qu'on va rentrer dans le jeu évidemment. Ce début de vidéo il est cool, de la belle musique pour nous détendre. Il pleut, mais bon ça, on commence à en avoir l'habitude. Et puis voilà. Donc j'ai pris une livraison de Londres à Saint-Cyr. Oui, alors qu'est-ce que je fous en Londres, à Londres? Et bah regardez, on a 66 000 euros, donc je me suis fait un peu d'argent entre l'épisode 23 et cet épisode là. Donc j'ai traversé, on s'était lâché à Genève si je me trompe pas, enfin par là-bas ou à Lyon, je ne sais plus. Et du coup je me suis fait quelques argent. On est bientôt au level 16 d'ailleurs. Et puis voilà, bon, il pleut, c'est un temps de merde, on est en Angleterre donc c'est normal. Tout se passe très bien, et très très bien, et j'ai oublié de vous dire, la petite question, est-ce que vous allez bien? Moi en tout cas ça va nickel comme vous pouvez le voir. Il y avait un bonhomme, il y avait une voiture, il y a une voiture. Ok, il y avait une voiture, je ne l'ai pas vue, donc on va pousser, excuse-moi, pardon, j'aimerais passer, voilà. Excuse-moi, merci bien, c'était Nikosov, bye. Ah, voilà, donc la bonne musique, de la belle musique, j'ai mis, je vous ai concocté, j'ai mis ma playlist, alors les musiques que je mets, comme je n'arrive pas à les lire avec Euro Truck, du coup je les mets à côté, en no problème, donc tout se passe très bien. J'espère que vous allez bien, je vous fais vivre un peu les envers du décor de ce tournage de la vie d'un routier. Vous êtes de plus en plus nombreux, certes, les vues ne sont plus là, mais le nombre de j'aime est là, et je tenais à vous remercier. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, donc un petit pouce bleu, pour cette vidéo et pour la suite de la vie d'un routier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, et je vais commencer tout de suite avec les questions et les différents commentaires que vous m'avez fait. Et je vais commencer par les premiers commentaires, et donc c'est Sébastien Magnez qui me dit, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc si, excuse-moi si j'ai pas farfouillé ton nom. Voilà. Donc il me dit, c'est quoi le nom du volant? Alors le volant, vous l'avez dans la description, il est tout en bas. C'est le Thrustmaster Ferrari GT Experience Rumble Force 3-in-1. Voilà, donc ça c'est le nom complet, on peut tout simplement dire FGT 3-in-1 aussi. Non, FGT Rumble 3-in-1.
Voilà, donc 3 en 1. Hein. C'est un volant de course qui était fait, qui est fait pour Gran Turismo 5. Je l'avais acheté avec le jeu, je crois, ou un truc d'installation pour GT5. Bon, enfin bref, voilà, quoi. C'est un volant de course. On va revenir sur différentes questions sur ce volant et que je vais vous répondre, parce que c'est normal que vous posiez des questions. Donc après, on a Tokiwi FR, où j'avais eu une bonne discussion avec lui. J'espère que tu vas bien et j'espère que les autres vont bien, évidemment, et que vous qui me regardez, vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner tout de suite, comme ça c'est fait, vous perdez pas de temps, hein. Vous cliquez sur s'abonner en bas, juste en bas de la vidéo, et puis voilà, c'est fait quoi. Il me dit, tu as un volant 900 degrés, c'est quoi le nom? Car on dirait un 240 degrés, un quart de, entre parenthèses, mais un quart de tour, parce que tu donnes des à-coups. Alors oui, c'est un volant, on va dire, un quart de tour. Ça veut dire que quand le volant dans le jeu fait 3 tours, et ben moi, je tourne le volant à 90 degrés. Donc en fait, je fais qu'un quart de tour, c'est ça, un quart de tour. Avec. Donc c'est le but d'un volant de course, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Après on a Kikor61 qui est un nouvel abonné, je crois, ou quelqu'un qui n'avait pas trop commenté parce que je ne revois pas ce nom souvent. Donc il me dit meilleur vœu, mais si tu mets la TSM, tu es obligé de recommencer une nouvelle partie pour info. Et vivement la suite. Et bah déjà merci de ton soutien. Meilleurs vœux à vous tous, hein. Je le répète, on est toujours en janvier. Donc de toute façon, que ce soit en janvier, en mars, en février, on est toujours, je vous dis, bonne année, un point c'est tout. Voilà, donc vous regardez cette vidéo n'importe quand, que ce soit en 2015, en 2016, j'en ai rien à péter. Bonne année à tous. Et puis voilà, qu'on soit en janvier ou en décembre, hein. Ou en août aussi. La chaleur ça fait du bien un peu. Et j'ai hâte que ce soit l'été. Ah, voilà, donc j'espère que j'ai répondu. Ah non, ah oui, non, je vais. Donc j'ai répondu à tes questions, c'est pas trop une question, mais c'est pas grave, hein. Vous n'allez pas m'en vouloir. Donc tu es obligé de recommencer une partie. Voilà, donc c'est ça un peu l'inconvénient de la TSM. Donc c'est ce que je voulais mettre parce que je trouve cette map magnifique, tout simplement. Sauf que, bah oui, il faut recommencer une nouvelle partie et je me vois mal refaire 16 000 km et de vous reprendre ensuite. Bon, c'est pas long, hein, c'est l'histoire de un jour de route. J'ai vu que je commençais à valnaguer avec le camion. Alors, qu'est-ce qu'on transporte? J'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'on transportait, évidemment. Comme d'habitude. Alors, on transporte du pesticide. C'est un chargement de 18 tonnes, ça va. Sensea, que je sais pas trop où c'est, on livre à Hobby. La livraison est attendue entre le samedi à 14h43 et 18h53. Et il nous reste 7 heures pour y aller, donc je pense que c'est bon. Il nous reste 284 km à faire. Je sais pas si on les fera en complet. Si j'ai plus rien à vous dire, et ben je vous laisserai. Et puis voilà, moins qu'on sera prêt. Et puis dans ces cas-là, on continuera et on la fera ensemble toute cette livraison. Voilà, donc c'est une livraison qui va nous rapporter un petit cachet quand même, qui va nous rapporter 13 503 €. Ah oui, c'est ça que j'aime pas, pourquoi je fais autrement. Je peux pas rouler vite avec, parce que après quand je tourne, la remorque en fait tire sur le côté, et ça me fait valdinguer. Voilà. Wouh, excusez-moi. Ah. Ce qui est... Ensuite, Touboulé Kevin. Il me dit... c'est pour la dernière question. Et je rajouterai une petite question que je m'en souviens, que je vais vous répondre tout de suite. Alors, Touboulé Kevin. Je sais pas si ça se prononce comme ça encore une fois. Donc, excusez-moi si je farfouille vos pseudos. Touboulé Kevin qui me dit... Comment tu fais pour avoir le nouveau Volvo FH? J'aime tes vidéos, mec. Alors, merci à toi. Poteau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors le nouveau Volvo FH, je l'ai eu dans le concessionnaire Volvo qui se trouve, le principal je crois qu'il est à Londres, et un autre au Luxembourg je crois, et à Vérone si je me trompe pas. Je m'en souviens que c'était un abonné qui m'avait envoyé toute la liste des par message par mail.
Ça me donne l'occasion aussi de vous dire, les amis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à nikosoft.2@gmail.com. Et puis voilà. Ah si, aussi, les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais vous dire ça juste après que j'ai fini ma petite réflexion. Alors, le nouveau Volvo FH, je l'ai eu effectivement à Londres, à Vérone et au Luxembourg. Je crois que c'est tout dans les concessionnaires Volvo. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, il me semble. J'espère ne pas m'être trompé. Mais en tout cas, j'en suis sûr qu'il y en a à Londres et à Vérone. Le Luxembourg, j'hésite un peu. Mais bon, on va dire qu'il y en a un. Les amis aussi, je vais vous parler de American Truck Simulator. Alors sachez que toutes les dates de sortie, il n'y en a pas. Hein, c'est du mytho. Par exemple, on a eu du 23 janvier, on a eu du 29 janvier. J'ai vu aussi du février. J'ai vu un peu de tout. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sort cette année, le jeu. Et normalement, il sort le premier semestre. Donc, ça peut être de janvier jusqu'à juin. Donc il peut sortir en juin comme il peut sortir en fin de ce mois et comme il peut sortir en février ou mars. De toute façon, on se souvient de Euro Truck Simulator 2, ça fait tout un bordel. Ils avaient pris quelques mois de retard, quelques semaines de retard, même si j'ai pas été ça m'a pas été un préjudice parce que moi je me suis mis à faire Euro Truck un peu plus tard vu que j'ai commencé en mars. Parce qu'avant je faisais de la programmation, donc j'ai commencé mes vidéos un peu, on va dire, en mars. Voilà. Donc je suis tout jeune, je suis un jeune homme. Oui. Pour ceux qui veulent savoir mon âge aussi, c'est une question qui revient souvent. Alors je vais vous dire, parce que bientôt c'est les 1000 abonnés, donc je me confie. Je vous dis un peu des choses sur moi. Je garde ma vie privée pour moi et je vous dis des informations telles que mon âge. Alors pour savoir mon âge, j'ai 16 ans. Voilà. Je sais pas si vous... Je pense que certains le savaient que j'avais quand même 16 ans vu que je parle des cours, donc je suis au lycée en première. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais enfin bref, je le répète maintenant que je suis lancé là-dedans. Voilà, donc je suis en première, j'ai 16 ans. Et qui dit première, les amis, dit bac. Et le bac, je vais devoir faire une pause en lien vidéo parce que je vais passer le bac de français en sachant que je fais une première STI 2D, donc sciences techniques de l'industrie du développement durable. Voilà pour le nom complet, STI 2D, sciences techniques de l'industrie du développement durable. En fait, ça va être, expliquer ça. Il y aura une coupure, mais je le mettrai en nom de chaîne, je mettrai pause de tel mois à tel mois. En fait, je pense que je vais faire une pause d'un mois ou deux sur la chaîne pour pouvoir réviser mon bac. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que la semaine prochaine, j'ai bac blanc de français, 4 heures à l'écrit, BAM! Et cette année, au bac, je passe le bac de français, donc 4 heures à l'écrit, et je passe l'oral aussi de français. Et je passe aussi un oral d'histoire, donc j'ai pas d'écrit d'histoire, heureusement pour moi, parce que l'histoire, je suis à des années-lumière de comprendre quelque chose à l'histoire, parce que je trouve tout simplement cela inutile, hein, inutile, parce que j'en ai rien à faire de savoir, enfin, je sais pas que j'en ai rien à faire, mais c'est du passé, quoi. J'ai mon opinion là-dessus, je ne pourrais pas vous l'exprimer correctement, évidemment, dans mon habitude. Pourquoi changer? Mais voilà, j'ai mon opinion là-dessus, j'aime pas l'histoire, c'est tout. C'est comme de nombreux, hein, je pense que vous n'aimez pas trop l'histoire, et je pense que d'autres aiment l'histoire. Et il y en a d'autres qui s'en foutent parce qu'ils ont fini les cours et qu'ils ne sont plus en cours. Et vous devez être content quand même, hein, parce que si vous n'êtes pas content, franchement, je sais pas comment vous faites. Voilà, j'essaye de bien conduire, mais j'avoue que depuis tout à l'heure je fais quelques fautes. En même temps, je parle, et quand on parle, c'est difficile de bien jouer. Voilà, donc c'est l'information de cette vidéo, mais j'en reparlerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo, je pense, qui sera plutôt annonce. Je dirai la pause que je vais faire, le temps que je passe le bac et la période de révision du bac. Parce que je compte avoir quand même une bonne note au bac de français et d'histoire. Parce que je me suis pas fait chier pendant... on va commencer à la primaire. Donc ça fait... oui, s'il faut tourner. Donc ça fait...
CP, CE1, CE2, CM1, CM2, donc ça fait déjà 6 ans. Après 6e, 5e, 4e, 3e, ça fait 4, donc ça fait déjà 10 ans, rien que la primaire et le collège. Et ensuite 3 ans, donc ça fait 13 ans. Non, 12 ans, parce que je suis en première, je suis pas en terminale. 12 ans que je me coltine du français et que je me coltine de l'école. Et je vais pas tout gâcher pour une note, donc je compte me donner à fond et je compte avoir une putain de note. J'ai jamais été très bon en français, encore cette année je m'en sors plutôt pas mal. Donc ça va, donc je compte avoir une bonne note parce que bah parce que c'est comme ça. Hein. Puis maintenant que je me suis un peu informé, question philosophie que je vous avais parlé dans une spéciale Noël, le français, bah je commence à apprécier un peu ça. Apprécier un peu. Et puis il faut savoir que YouTube m'a aidé. Je m'explique. YouTube m'a aidé dans les cours. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, excusez-moi de bafouiller parce que je pense que je vais dire plus tard et j'oublie ce que je vais dire maintenant en fait. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Donc je vais penser maintenant instant présent, je ne vais plus bafouiller parce que les E, les A, les E, on en a marre, vous en avez marre, moi aussi j'en ai marre de les dire. Et puis voilà, et les voilà aussi, hein, c'est chiant, faut l'avouer, c'est chiant. On est en Angleterre si vous le savez toujours pas, mais de toute façon ça se voit, on conduit à gauche. Et je conduis Nawak, comme une bouse, mais j'ai pas envie de me stationner derrière les voitures, je trouve qu'elles roulent doucement. Donc j'en étais où? Au bac de français. Je compte avoir une très bonne note parce que... Oui, non, je me suis amélioré en français. Non, YouTube m'a appris à être... par exemple, à lire correctement les textes. Avant, j'arrivais mal à lire les textes. Maintenant, à l'oral, c'est easy peasy. Pareil pour les exposés. Avant, j'étais très timide. Mais maintenant, j'en ai rien à péter. Mais rien à péter, quoi. C'est un truc de malade. D'ailleurs, je suis l'un des meilleurs à l'oral dans ma classe. Parce que, bon, je parle pas de l'anglais, hein, parce qu'on n'en est pas là. Mais déjà, en français, quand je fais des exposés en français, j'arrive plus à, par exemple, à inventer devant, en direct, quoi. Et les profs ne s'en rendent même pas compte. Et ça passe nickel. Et je suis super content. Donc, en fait, des fois, j'ai même pas besoin de préparation à faire. Hein, je fais. Un petit diaporama, une petite présentation là sur PowerPoint et bim, ça passe easy peasy, tranquille. Voilà, donc après je voulais vous dire la chose importante, je n'ai pas attendu les 1000 abonnés, enfin si, en quelque sorte, en fait ceux qui vont regarder cette vidéo le seront et pourront tout de suite m'ajouter. Alors, wouh, préviens quand tu tournes pardi. Non, qu'est-ce que ça me fait peur. Ça me fait peur. On voit déjà les panneaux de la ville où je vais aller. Donc dis-moi pas que j'ai déjà fini. Parce que je t'en veux. Ah là là, 64 km. 64 km. Oh mon dieu. Mon dieu. C'est bientôt fini. J'en étais où? Oui. La chose que je vais vous dire, que je vais annoncer dans une vidéo spéciale 1000 abonnés, quand j'aurai les 1000 abonnés. Donc ce sera dans un bon mois. Un très bon mois parce que... En effet, ça stagne, par exemple là, à l'heure où je tourne, je suis à 982 abonnés, et j'en suis sûr que quand vous allez voir cette vidéo, il y en aura 982 ou moins, voilà, parce qu'il faut savoir que par mois, je me fais qu'une quarantaine d'abonnés, mais que j'en perds la même, donc je me perds 40 abonnés, mais je me fais 40 abonnés, non, j'en perds 40 abonnés, mais je me fais 80 abonnés, donc une centaine d'abonnés par mois, ce qui est pas plus mal, hein. Je veux dire, ceux qui se désabonnent, c'est ceux sûrement qui me suivent, qui me suivaient pour la programmation et qui ont vu que j'avais arrêté définitivement. Donc c'est un choix que je respecte. Et en fait, je veux virer ça parce que ça me pourrit mon espace de jeu. Donc on roule comme une bille, hein, vu qu'on double tout le monde par la gauche, alors que c'est pas bien. Ça ne se fait pas. L'irrespect. L'irrespect du Nikosov, quoi. Ah mon dieu, mon dieu. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait qui répétaient les expressions que j'utilisais. Ça m'a fait plaisir de voir ces commentaires. Voilà. Par exemple, il me disait que je
que je bouchais les trous par exemple quand c'était la spéciale Noël. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, ça m'a fait plaisir d'ailleurs, parce que c'est grâce à des commentaires comme ça que je m'améliore. Donc par exemple je disais ah ça glisse, on n'y voit rien, tout ça. Et je le répétais plusieurs fois dans les vidéos, ça passait à cognito, mais il y en avait un qui avait remarqué que c'était pour boucher. Évidemment, parce que je déteste mettre des blancs, c'est nul, c'est pourri. Tout le monde le sait, il faut freiner, parce qu'on va tourner. C'est vrai que c'est chiant, hein. C'est normal, hein, parce que dans une vidéo, c'est nul. Quand je fais ça, quand il y a des blancs, c'est nul. Donc je préfère remplir avec ce qui me passe par la tête. Donc par exemple, quand ça glisse, et ben, je dis ça glisse. Par exemple, là, ça tourne, mon dieu, ça tourne chaud, ça tourne chaud, ça tourne chaud, ça tourne chaud, ça tourne toujours. Et donc voilà, donc c'est des choses comme ça que vous appréciez ou pas. Moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de. Oh putain, j'en étais sûr. Tu me laisses passer, mon gars. Merci. T'es aimable. T'es aimable, mon gars. T'es aimable. Wouhou! Oh yeah! C'est parti. Donc on est arrivé à Senseiya, donc je pense que je vais prendre une nouvelle livraison parce que je vous ai toujours pas parlé de ce que je devais vous dire. Donc ça fait que j'ai des choses à vous dire dans cette vidéo. Ça va être une vidéo longue, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi ça me plaît plutôt parce que je veux dire c'est la vie d'un routier, c'est quand même quelque chose que je travaille, que je passe du temps à faire. On est bientôt arrivé à la ville, voilà, Senseiya, que je connaissais pas comme ville. Hein. J'y suis allé sûrement dans ma partie solo vu qu'il me restait que il me reste plus qu'une ville à découvrir et j'ai découvert toutes les villes de la map. Il faut tourner. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Oula. C'était chaud, c'est passé chaud. Faut pas oublier qu'on est en Angleterre, donc on roule à gauche. Le nombre de fois où je me suis trompé. Et regardez les villages qui sont faits. C'est magnifique. Magnifique, voir une map où on traverse des villages, ce serait assez chouette. De genre des petites routes et on traverse les villages, ce serait trop marrant et trop cool, je trouve. Oh, regardez. Ouh, on freine. Et regardez. Regardez, on voit des vaches. Elles sont super bien faites, je trouve. Pour un jeu de camion, c'est super bien fait. Super bien fait, quoi. Attendez, on va aller voir un peu plus près. Attention, vous êtes prêts, je vous montre ça. Ce n'est pas tout le monde qui va vous montrer ça. On est où? C'est pas tout le monde qui va vous montrer ça, moi je vous le montre. Bon, certes, de près, elles sont moches en fait. Elles sont dégueulasses. Mais je veux dire, ils ont fait quand même qu'elles bougent. Elles bougent la tête, elles bougent pas le corps. Elles bougent la queue. Ouais. Bon. Ah, on se déplace, en retournant dans notre camion. On repart. Voilà. Voilà, petit aparté, je trouve que ils font quand même de l'excellent travail. Et j'ai vu sur la page Truck Game, donc je vous invite à aller aimer cette page. Ils donnent des infos sur le futur American Truck Simulator. Donc, ah oui, il faut aussi que je vous parle du programme d'American Truck Simulator. Ça y est, j'ai décidé comment j'allais faire. Il faut aussi que je vous parle de la chaîne en général. Donc je vais pas attendre une autre vidéo, je vais le faire maintenant. Donc on garde cette remorque, après on repartira je pense, à moins qu'on ira dormir à la ville. Je me suis garé comme une bouse. Voilà, parfait. Bon, parfait, non, pas du tout. Mais voilà, donc on a un excellent 362. Ils nous ont même pas compté les dégâts, donc c'est parfait, ça doit être pas moi le coupable. Donc là, ça DR6, 76 XP. Donc voilà, on est bientôt level 16. Je pense que la prochaine, on peut être level 16. Nouvelle pièce. Régler le GPS vers le magasin. Donc le magasin, on le voit, il est là. Mais bon, je préfère mettre le GPS pour pas me tromper de route. Donc on repart tout de suite. On va dormir un coup. Puis on repart vers une nouvelle destination. Donc à mon avis je la ferai pas au complet cette destination là. Je vous dirai à la prochaine dans quelques, je pense au cours de la livraison. Donc je pense qu'on va faire une petite vidéo. Si on en fait une vidéo de 45 minutes, je suis content. Voilà. Allez, on va tourner. Et j'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir parce que c'est pas bien joli au rendu quand il pleut. Ouh.
passé. Laisse-moi passer. Arrête-toi. Merci, gars aimable. Allez, je pense que j'ai dû faire bouchon derrière moi. Voilà, donc c'est un bouchon. On s'en fout. Nous sommes les maîtres sur la route. En avant. Donc le programme pour American Truck Simulator. Alors je compte faire du American Truck Simulator quand il va sortir, évidemment. Alors j'ai décidé de faire en fait les deux jeux, donc Euro Truck Simulator d'un côté et American Truck de l'autre côté. J'appellerai cette série vers un nouveau continent. Donc ce sera la suite de la vie d'un routier. Donc ça va être la vie d'un routier, deux points, en route vers un nouveau continent. Donc je pense que je ferai en fait, mon dieu, où je tourne. J'ai dépassé. Trois tours chauffeur, trois tours. donc je ferai une fois sur deux en fait, je pense, donc Euro Truck une semaine et American Truck l'autre semaine. En sachant que je pense que la semaine où il sort, je ferai une semaine spéciale American Truck Simulator qui consistera à donc dégâts 6%, donc on va avoir de l'argent. Ah, 3800, on a pratiquement 700 euros. 69 000 euros je veux dire. Et puis voilà, donc regardez le joli camion. On en profitera pour changer de camion un autre jour, où je compte acheter le nouveau Scania V8, où l'intérieur n'a pas changé beaucoup, mais je le trouve plus joli. Je l'ai testé sur ma partie perso, et je pense que quand on aura beaucoup d'argent, mon dieu, beaucoup d'argent, on pourra en profiter et se faire plaisir sur les nouveaux camions, les décors, tout ça. Parce que effectivement c'est un let's play, en gros hein, c'est une carrière suivie. Donc je n'ai pas le droit de tricher. On va tout de suite aller prendre une nouvelle livraison. Nouvelle livraison, donc offre de fret. Offre de fret. Sensea Londres, Birmingham. Ouais. Birmingham, j'y suis jamais allé. Go Birmingham. Donc on va aller prendre cette livraison et on va repartir. Comme ça, oui, donc je ferai une fois sur deux. On va dire qu'il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. De toute façon, c'est la nuit, il n'y a personne. On tourne. Donc on roule de nuit. Déjà, la dernière fois, on avait roulé nuit. Bon, c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. À vous de me le dire. Ah, je crois que c'était rouge. C'était rouge. Ah, on tourne là. J'aime bien sans surprise parce que regardez, ils ont tout prévu pour les camions. Ils ont mis un passage tellement large. Déjà avec un camion solo ça passe juste. J'allais oublier de prendre la livraison. Sensea, Sensea. Je pense qu'on peut prendre celle-là. Non allez, on va prendre celle-là. N'oubliez pas qu'on a un chauffeur. On regardera ça tout à l'heure. Mais qu'on a un chauffeur, un employé, un chauffeur. Hop. 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 Je cherche un GFX. Donc un gars pour faire une intro. Des avatars, tout ça, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les conseiller pour me faire une intro, une belle intro. Je pense que pour les 1000 abonnés, me professionnaliser, ça me fera pas de mal. On va essayer de passer dans l'embouchure sans faire de dégâts. Allez, je me concentre. Ça passe. Easy peasy. Ok, c'est passé. Tranquille, heureusement qu'on est en Angleterre. Parce qu'on a pu prendre au moins le virage large. Voici un point positif de l'Angleterre. Donc les amis, Skype. Alors j'ai créé un compte Skype spécial abonné. Le but, le principe, je vous explique tout ça. Non, ça va pas ne servir à rien. Enfin, si ça va servir à rien, s'il y a personne dessus, évidemment. Donc, le Skype abonné. Et je m'explique pourquoi j'ai pas utilisé d'autres choses. Alors, je trouve que, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai quand même des gens qui me suivent et qui veulent me parler, que ce soit on m'envoie des messages par Facebook, tout ça, pour que je fasse des vidéos avec des gens, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je le dis sincèrement.
Par contre, je propose à mes abonnés, donc à vous qui regardez cette vidéo, ou si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y. Pour me rapprocher un peu plus de vous, je vous propose un Skype abonné. Donc le Skype abonné, le principe c'est que vous allez vous proposer, je vous accepte dans la liste d'amis du Skype abonné, je vous dirai le nom après. Laissez-moi finir mon explication avant que vous m'engueuliez. Donc c'est pour ça que... Donc, oui, j'en étais où ? Le but du Skype abonné, c'est que, en fait, les mercredis après-midi, je passerai peut-être une petite heure. Et quand j'aurai un peu de temps à moi, je passerai vous voir. Je serai connecté. Et ce sera l'occasion pour vous de discuter avec moi, ceux qui veulent. Ce n'est pas du tout pour me vanter. C'est que je trouve qu'on peut être quand même, je peux être ami avec mes abonnés, je veux dire, je peux me rapprocher d'eux, on va dire en quelque sorte. Parce que je trouve que lier des liens avec les abonnés, c'est quand même important, je veux dire, vous n'êtes pas que des chiffres, vous êtes des humains avant tout. Et je trouve que c'est important de garder un contact avec vous, que ce soit par commentaire, par message ou par vocal, donc j'ai pensé à Skype parce que j'ai pas pris comme ça on peut parler. Des fois on peut parler en groupe et des fois on peut parler en 1 et 1. Ça évite qu'on soit sur par exemple sur T-Speak tout ça où il fallait que je paye un serveur, mais j'ai pas voulu parce que je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas d'argent pour pouvoir me payer un serveur T-Speak tout ça. Qui je sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Donc je vous propose que le mercredi après-midi, des fois je passe avant que je tourne une vidéo ou quelque chose, et je vous fais un petit bonjour et qu'on puisse discuter un peu quand même, parce que c'est quand même important, même si j'avoue que je n'ai pas beaucoup le temps, mais je tenais à faire ça. Donc je pourrais avec vous un peu le dimanche, une semaine sur deux, le samedi un peu quand j'ai pas match ou quand je rentre des matchs, et le mercredi après-midi un peu. Et puis voilà, il faut aussi que j'ai le temps, il faut aussi que j'ai un emploi du temps respecté, donc ça veut dire que j'ai les cours d'une part qui me prend maximum de mon temps, j'ai le tournage des vidéos qui me prennent l'autre partie de mon temps, j'ai le rugby qui passe encore mon autre partie de mon temps, donc à la fin il me reste plus beaucoup de temps à moi, mais je compte faire ce Skype abonné quand même. Donc le Skype abonné, si vous le voulez, je ne l'écrirai pas dans la description, donc cherchez-le pas, ne demandez pas en commentaire. Le Skype, vous pouvez commenter pour le Skype, évidemment. Si c'est une bonne idée, une mauvaise idée, voilà. Donc le Skype, c'est nikosov.abo.officiel. Pourquoi officiel? Parce que j'ai trouvé déjà des fakes de Nikosov. Et à mon avis, si je fais nikosov.abo, ça pourrait passer comme une merde. Donc officiel, au moins ça prouve que c'est moi. C'est moi le vrai, parce que même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai trouvé des fakes de Nikosov. C'est pas un pseudo qu'on voit tous les jours, donc on va pas me dire « Ah, il a pas fait exprès ». Non, je n'y crois pas une seule seconde. Encore si ce serait des genres, je sais pas moi, Draktar, je vais prendre un exemple, ou Draymond. Là, je suis d'accord pour que ce soit et pour qu'il y ait plusieurs gens qui puissent utiliser, mais Nikosov quand même, c'est pas courant. Et j'en ai pas encore vu. Je sais que sur Steam il a déjà été utilisé, donc du coup j'ai dû changer mon Steam, c'est Nikosov 97. Ensuite sur d'autres sites par exemple Nikosov était déjà utilisé. Bon, c'est des sites de camions, vous allez me dire, mais de Euro Truck, mais bon. Sur World of Truck, c'est Nikosov. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a 2-3 images dessus je crois, j'ai mis 2-3 images. Je joue là, le compte que j'utilise pour YouTube, c'est un compte qui n'utilise pas World of Truck, c'est un compte qui n'est pas connecté. Parce que là par exemple sur mon PC, là j'ai des gros problèmes de connexion, donc du coup par exemple là actuellement je ne suis pas connecté à internet. C'est pas plus mal, hein, comme ça au moins on n'a pas de radio, et de toute façon les radios c'est fini, hein, il n'y en aura pas dans American Truck Simulator, dans les vidéos que je ferai, et dans Euro Truck maintenant il n'y en aura plus parce que comme maintenant il y a des gros problèmes de copyright, j'ai eu des problèmes de copyright, hein, j'ai eu 2-3 strikes et ça me fait peur, hein, vraiment, je vous avoue ça me fait peur,
cette histoire, je sais pas où va YouTube. Je vais pas revenir là-dessus, hein, c'est... On va dire c'est du passé, les lois sont en vigueur, on pourra rien y faire. Hein, même si des gens ont voulu faire un effort et montrer leur révolte, ça n'a pas suffi. Le truc où c'est NoTube, le hashtag NoTube qui a été lancé sur Twitter, je pense pas que ça marche, que ça a marché, et je pensais même pas que ça allait marcher. Hein. Donc voilà. Il nous reste combien de kilomètres à faire ? Les loulous, les kiki, il nous reste 206 km à faire. Je pense pas qu'on va le faire. Je pense qu'à la prochaine station service, je vous laisserai là. Je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense qu'une livraison et demie, c'est pas plus mal. C'est vrai que j'aime bien finir ce que je fais. Mais bon, en sachant que j'ai plus rien à vous dire, je trouve que c'est pas intéressant pour vous de regarder ça. J'espère que la musique en fond, ça vous plaît. C'est des musiques que j'ai prises sur Jamendo. Donc Jamendo, c'est une plateforme de musique libre de droit. Donc normalement, je suis pas censé avoir de problème avec les copyrights. Et puis de toute façon, la musique est basse, c'est fait en musique de fond. Donc voilà. Et j'espère aussi que ça vous a plu la nouvelle manière que j'ai mis pour faire les vidéos. La qualité sonore est quand même nettement mieux, nettement plus aboutie et plus travaillée. Parce que je passe maintenant plus de temps sur Sony Vegas pour faire la cohésion entre la voix et la vidéo. Parce que c'est deux fichiers différents. Oui, parce que j'utilise Fraps d'un côté pour filmer la vidéo et le son du jeu et du PC. Et Audacity pour enregistrer ma voix. Bon, on va voir une station. Quand une station service... Et bah là. Donc je vous laisserai là les amis parce qu'après ça va être un peu trop long. Ouais. Un peu trop long. Si quand même ça va être un peu trop long. Donc je vais vous laisser à la prochaine station service. En plus il y a un bouchon, ça m'énerve. J'espère que cet épisode vous a plu. Le temps qu'on arrive là-bas, je vous dis les amis... Portez-vous bien, vive les jeux de simulation. Hein. Je vais vous dire aussi, abonnez-vous si ce n'est pas fait, je me répète. Mettez un like sur la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de voir une dizaine de, likes par vidéo, c'est génial. N'hésitez pas à parler de moi dans votre cours de récréation ou à vos amis ou à je ne sais trop qui, à vos parents, tout ça, parce que mes vidéos ne touchent pas que les enfants et ne touchent pas que les ados et ne touchent pas que les adultes mais les vieux. Oh le couac. Voilà les amis, ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes toujours présents et voilà, donc n'hésitez pas à me faire de la pub parce que sans vous je ne suis rien et je ne serai rien si vous ne serez pas là les amis. Je vous dis bye à tous, c'était Nikosov, allez bye tout le monde.